Bah donc là on est dans la partie donc bâtiment de scierie, donc où on a en fait la première travée là-bas qui est pour la ligne gros bois. On va scier des bois qui vont faire de diamètre 50 à 1 mètre de diamètre. Le chantier est en effervescence. À Champ-le-Duc, près de Bruyères, la scierie Raboterie Gueff voit les choses en grand avec une extension sur plus de 12 000 mètres carrés. Cette nouvelle partie devrait rentrer en fonction d'ici le printemps prochain. L'objectif, c'est en fait de scier, on va dire, à peu près 10 fois plus que ce qu'on fait à Jussarue. Et c'est de pouvoir utiliser un peu plus de bois local qu'on ne le fait aujourd'hui dans notre raboterie, mais aussi de pouvoir fournir des acteurs locaux en bois pour qu'ils puissent après, derrière, en faire des poutres ou des choses comme ça. L'entreprise familiale, fondée en 1965, a bénéficié du plan France Relance pour près de 8 millions d'euros et investi 50 millions d'euros dans ses travaux. Boostée par la consommation des ménages lors des confinements, la société a doublé son chiffre d'affaires en 3 ans, atteignant 35 millions d'euros. On peut dire qu'on devient industriel, on n'est plus l'artisan d'il y a quelques années. Les constructeurs français achètent du bois à l'étranger parce qu'ils n'ont pas suffisamment de matériaux secs à mettre en œuvre. Et donc nous, on essaye d'aller dans ce sens-là et de rattraper un peu le temps perdu, parce que c'est vrai qu'en France, on avait besoin d'avoir des investissements, on va dire, de ce type-là pour pouvoir alimenter la filière de construction derrière. Gueff fournit les magasins de bricolage, la grande distribution, les charpentiers locaux, en bardage, lames de terrasse, parquet, en France, en Espagne et au Portugal. 80% de leurs matières premières provient de Finlande, Suède et jusqu'à très récemment de Russie. La montée en gamme technologique permettra d'utiliser les résineux du secteur. 200 000 mètres cubes de grumes seront transformés ici chaque année, déshumidifiés dans 10 nouvelles cellules de séchage, non plus alimentées au fioul, mais par une chaudière cogénération. Dans un premier temps, elle fait du courant et ensuite, après, avec le refroidissement, on va dire, du flux thermique, on va donc pouvoir chauffer les séchoirs et sécher le bois. Donc ça va pouvoir permettre d'avoir vraiment un double cycle sur le chauffage sur le brûlage des écorces. On devrait produire autant qu'on consomme ici. Un moyen d'être moins dépendant des fluctuations des tarifs énergétiques. Les prix de vente ont dû suivre le cours de l'inflation subie ces derniers mois. Nouvelle étape à l'automne, les premières machines devraient arriver. La société, qui emploie 65 personnes, cherche encore une dizaine de profils pour gérer la chaudière, la partie commerciale et pour le bon fonctionnement de la scierie. Le bémol à cette réussite industrielle concerne la parcelle qui permet l'extension. La commune a vendu aux établissements Gueff le terrain qui servait jusque-là au motoclub de Saint-Dié pour des compétitions.